avion dobe na gaukau feibi somare na macha mantumbe nisojala koni mali avion re bini e tobo fara malde doka oni soja koyo nga bi kujama farfalinda kabu ya me ka foko e ni avion mbe na e ni e ni mbome minisma mauvada so wake avion ye avion jemai to ayala ka foko do ya ira ka foko Azerbaijan ko avion do ko mi Allemagne so si mon be minisma la ko avion tombe ka ulude transporter ka tanuye mau koni jaya lembe folo ama communiquer officiel kabou Mali fanfe walma kabou minisma RF fanfe folo on va ni mi jera kola ano fonyoye kosebe ni ala jena nay anga ira faso avion bini no kera so wi ka mami ni soja no jamana ni do bi akake ko no dro ko faso avion bini ni soja ja otu uta kala mo ko ana na folo era doa ika impo taxi ane fe o lu frale nyonga kata do avion na ko kadugo kele eba kibaro me ko avion do bina avec e kono ko e faso ta do ene so bija o be ko ke o era faso juguya ka di français bima français hali français franto bu ka wulu a kaf sa wulu ka te me fa fin o be ka Mauritanie fana la fasa di mali juguya li la Mauritanie bi farafin fle fle chomi ali farafin mu ye Mauritanie jamana de wi bolu mi na lembe chomi kuma te an toma ka kla ka malde ka Mauritan la fasa mali la bu shirika Algeri o ga jugo no be wo fana la fasa bo la fasa hali bi terrorisme jamana inde do be ko lu la fasa kolu ka galunguma uta ko jense ko faso la gushi wallahi surasi munu ni kisabe ka chula jamana deun lisili kama ubeka olu fa baga uka kumata kolu la fasa ne kon bi mi fuye surasi dimne maida kusaba kusaba parce que ne be mi me surasu da munu be kele dala amaina ala minyana kite jamana kono e jogo dona kusana ite jamana kono na iga dubia e somo ubia e jogo dona kusana nebe ka mimme surasu su ka shile da kele da a atigo go jogo dona ha ha go jogo dona surasi dimine general ti se kola jona non kusana la jona donc beaucoup trop d'or moi ben qui sait que tu es moi là moi mon ouf façon la face allez mon ombre qui sait ça au lieu de dire mal à dieu la canne au tigre n'est pas ligue John ne veut pas ma faire John dit pas ma faire ou casser la tête mais ni au lieu fera ou les qui sait chez vous là et les beaux photos ta ou le magasin photo corota comme on a fait du coup qui va rien ne galon d'au caca jense ça va les quoi amen même bien pour te dire que moi mon do hal ni ire somo i jeli de aké kana hina la ta te mosé kosaba mona moi minu be kanike admen be ko ki se chile a wolo fala ka bo photo ta ka publier non ashi admin ba era wolo doni walma wolo kroke ki se chilo la ka bo photo ta ka partager admin ba achi pourquoi ta ke donc ki se chira mina e fa kap sa o fai walma e doni walma e balma kap sa o yewa aish musoka a wolo de photo ye ni e chola na do be serga a do serga be obisa amaida Mwanya dale yulofa shuka fotoka ni chola yuseka baby sama ya maya men c'est pas bon non men c'est pourquoi je dis mamu mbara yeni ye kana hina la kafrika fsa ambo faso en kana hina akera halni i jeli de kana hina la kosmer eh ani hina mangam pas gale fanatika hina ni hime bala
ati son kan ki baro juguta kan ja juguta kale ba fi bien fait surtout ka hadama de fagale shuta ki bi klaka ki baro du kuma du kan du dak ne ga yeri mo mi ni ay saya ni ay yon soro ka soro ka faso de la fasa ka ere yere ba kun do faso yon ideu be i masa be i fem be be avec au de la fasa asara ko konnana afara ko konnana ka ata ni nga kiboro ju ko da aka ki wo chare nya ko donc era deja imagine o hina ma nga kifuna no o de alaka on so ha klimana toto se yo se amita e fan fe ka fiani bo an se ko nga so ka do nga sujet la banko no no ye docteur Umar Mariko jahana takiu ani kata se minye taudeni gouverneur kuma mi mbuda ni ala sona ma ni jabi mi kaka ambo da utere kusene ni ala sona ma Alasera ama ka fominye maître Abdoulaye Diop ka ka ngakuma ONU tribune 23h biwa kosobe nyani soni dans 30 minutes Abdoulaye Diop ka ben ngakuma ne ala sona bo sole kato ana ne ala sona ni ansera ka a soro jona telia la ne ala sona be alasera mo ma directement que Mauka dans Babou Beminga, Inch'Allah. Mali Abedjo. Ni Allah Sama Abedjo. Ni de Bachier, Docteur Omar Mariko, Atarakuma Malika, Ka Faso Bourdia, Ka Armée Bourdia, Ka Terroriso, Ni Francie, Kokromado, Mali Bourdia, Aywa, Minye Aka Krofoni, Allah Sama. Amena fereke nyani soni amseka alame toya mina onga ne koninda bali bame mina Umar Mariko seraka labani laban chola chokolite yana ale koni unga mata koseme yoro so bien fambe katema francika kale ye ale donane mi politiki srami kakla ka ye ko bi ale taleme e kuma dogo francis ki to francis ka kuma malika toko yala mi francis sahwe ah omanyada akeme parai atunga nga fin beke ki era tanganema o ningo imbi bali mala mi de Umar Mariko don kaso ba ke Umar Mariko frontama aniya da gali binyo bolo kaso ba terrorisme ni mo woni yad Umar Mariko tara Norla, il est le seul homme politique malien. Mais dans Norla, nan y est réagali Sigira Kakuma. Comment me demande là? Eh, mon frère, Okuma est monté Mali Kono. Quoi c'est vrai? Ah, eh, nous ben, il veut qu'avoir choisi. Ah, qu'avoir Okuma fana doublé.
Il y a des gens qui ont été rencontrés. Donc, pour vous dire que nous avons un peu de mal, nous avons un peu de mal. Aye, kuma chama fo minye TV5. Yoro bibi na malde fenfen be ni ko konté fa so fe. Ube kuma di ema. No na TV5 fro da ma mane wole ko ambi fe ki ha tinga tado. Era fi ma del ka tabe ni crise dam ne na. Era kila tatu wa. Mane wole ko ne ko e hakila e munye. Nga ube ta mununta ka e kuma. O luka kuma de bi mali la goshi. Je suis un peu plus malin. De la vie politique malienne. Il s'agit d'Oumar Mariko, président du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, actuellement en exil. Oumar Mariko, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir accordé un de vos temps. Tout d'abord, quel regard portez-vous sur la situation actuelle à Tombouctou, ville sous blocus djihadiste depuis plusieurs semaines ? Et Tombouctou n'est pas la seule ville qui se trouve actuellement sous contrôle des djihadistes et sous embargo. Et vous avez annoncé tout à l'heure les chiffres de morts à Tombouctou. Chaque fois que la junte annonce des chiffres, je vérifie parce qu'elle nous a habitués à sous-évaluer ce qui se passe pour soi-disant ne pas semer la panique. Mais la réalité de la panique est partout. De Farabougou au plateau de Louban, et jusqu'aujourd'hui, Tombouctou, la jeune ne contrôle absolument rien du tout. Et la situation devient de plus en plus dramatique parce que au mouvement djihadiste s'ajoute désormais l'ex-mouvement de la rébellion. Donc il est clair aujourd'hui que l'armée sous le contrôle de la junte militaire perd complètement les pédales et perd complètement le terrain. Je pense que ce qui s'est passé à Tombouctou est dramatique. Vivement la sortie de cette situation. C'est une de vos premières apparitions à la télévision depuis que vous avez fui le Mali. Tout d'abord, pourquoi avez-vous quitté votre pays ? J'ai quitté le Mali parce que pour avoir dénoncé les assassinats crapuleux des populations de Moura. Et c'était pas seulement Moura, c'est Moura qui a été l'élément le plus remarquable. Et j'ai dénoncé les assassinats des populations de Moura par une fraction de l'armée avec le mouvement de Wagner, le groupe Wagner. J'avais déjà dénoncé également les tueries qui ont eu lieu à Nyonon, dans le stade de Ségou. Oumar Mariko, avez-vous des éléments objectifs qui permettent de dire que c'est l'armée qui est responsable des événements de Moura ? Mais absolument. Sinon, je ne serais pas. Je suis quelqu'un qui soutient d'habitude l'armée. Et l'armée que je soutiens, c'est justement les sous-officiers, les hommes de rang, qui sont généralement jetés à la boucherie par le niveau stratégique de l'armée, le niveau stratégique qui est en collision avec le niveau politique et qui envoie les jeunes à la boucherie et pratiquement. Très souvent complètement dégarni.
Donc, et puis je suis un chef politique, depuis longtemps je suis dans ce combat, et mon parti se trouve à l'intérieur du pays, un peu partout. Il a fait un maillage complet du pays qui me permet de dire des choses qui ne sont pas, à peu près. Je dis les choses qui sont vraies, et Dieu merci, je vous cite deux exemples. Quand j'ai dénoncé l'aviation française de l'avoir bombardé un cortège de mariage à Mbundi, c'est l'armée, c'est le niveau stratégique de l'armée, le ministère de la Défense, qui a dit que c'était faux et que c'était des terroristes que eux et l'aviation française ensemble avaient bombardé. L'aménagement a mené des enquêtes et est arrivé à la conclusion que j'avais parfaitement raison, que c'était des populations civiles qui ont été frappées et que c'était la seule responsabilité de l'armée française. L'aménagement m'a donné raison. Comment ? Précisons que l'armée française mène une enquête au sujet de Bounty. Ben, je n'ai pas bien saisi la question, mais je dis simplement, je répète, que en fait, les frappes de Bounty qui ont eu lieu, l'armée malienne, le ministre de la Défense du Mali a dit que c'était des terroristes. Et l'enquête de l'aménagement a démontré que ce n'était pas des terroristes, que c'était des civils. Omar Mariko, nous sommes pris par le temps, avançons. La transition en cours au Mali est-elle sur la bonne voie selon vous? Non. La transition au Mali, je crois que les colonels ont opéré un coup d'État contre le peuple malien. Le coup d'État du Mali n'est pas un coup d'État. N'est pas un coup d'État contre le président qui a été déchu. C'est un coup d'État contre le peuple malien, contre les revendications qui ont été portées par nous, insurgés dans la rue, et qui demandions et la démocratie, on était contre les fraudes électorales, et en même temps, nous exigeons la paix. Et aujourd'hui, la paix, elle est impossible avec la junte au pouvoir. Ça, elle est devenue, la junte est devenue un obstacle aujourd'hui pour le peuple malien pour aller à la paix. Parce que, vous savez, La CEMA rentrant dans le conflit avec les djihadistes, avec l'État islamique, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui la junte ne peut pas être en face. Alors moi ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est que les militaires maliens comprennent qu'ils ne sont pas dans leur mission actuellement. Parce que la mission de partition du pays, le problème de partition du pays était porté par la CEMA. Aujourd'hui, la CEMA pose le problème des accords d'Alger. Il faut les examiner politiquement. Alors, Ça ne sert à rien. Nous allons revenir sur les accords d'Alger. Mais juste un mot des combats auto-opposés ces derniers jours, l'armée malienne et les combattants du CSP. Vous avez estimé qu'il s'agit de la responsabilité de l'armée malienne, vous venez de le dire à l'instant. Il s'agit de lourdes accusations. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer de telles choses? Non, je n'ai pas dit que c'était la responsabilité de l'armée malienne, non. J'ai dit que c'est la responsabilité de la junte au pouvoir. C'est le niveau politique de l'armée, c'est le niveau stratégique de l'armée. C'est eux qui n'ont pas accepté aller à la médiation pour écouter la médiation et régler la question de façon politique. Et ils ne nous ont pas dit également, à nous, peuple malien, quelles sont les divergences profondes entre eux et la CEMA qui motivent la guerre. Des accords, ils ne sont pas d'accord. On n'est pas informé par rapport à cela. Je n'ai pas dit que c'est la responsabilité de l'armée, c'est la responsabilité du politique qui se trouve aujourd'hui entre les mains des cinq colonels. Omar Mariko, vous parliez de paix tout à l'heure. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait favoriser la fin des hostilités au Mali? La fin des hostilités, d'abord, dans un premier temps, moi je pense que du côté des militaires, il faut que les militaires aient de la CEMA et des militaires de l'armée régulière arrêtent de s'entretuer. Qu'ils arrêtent de s'entretuer et qu'elles imposent à la junte de revoir son calendrier. Parce que les deux militaires, les deux factions militaires ne sont pas en train de se battre pour la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Ils sont en train de se battre, elles sont en train de se battre autour des problèmes posés par l'accord d'Alger.
Et les problèmes posés par l'accord d'Alger sont des problèmes politiques qui ne doivent pas se régler de façon militaire, qu'on peut éviter d'en s'entretuer. C'est ce que je normalement, urgentement, mis Abdoulaye Diop, allez, madame les Nations Unies, allez, Kenneka, Anga, Bolikata et Jona. À se démarquer et cesser les collisions constatées avec les groupes armés terroristes lors des dernières attaques, et ce, conformément à l'accord pour la paix, mais aussi aux différentes résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le contexte géopolitique actuel, le Mali ne souhaite pas devenir un théâtre de confrontation ou de compétition entre les intérêts géopolitiques de puissances étrangères. Et nous restons disposés à coopérer avec tous les partenaires respectueux de notre souveraineté, de nos choix de partenariat et également des intérêts des Maliens. Monsieur le Président, sur la situation régionale et internationale, le Mali reste attentif au développement en cours en Afrique et dans le reste du monde. Concernant la gouvernance mondiale, le gouvernement de la République du Mali réitère son attachement au respect de la Charte des Nations Unies, particulièrement le respect de l'égalité souveraine des États et conséquemment son rejet des activités de certaines puissances à perpétuer une domination néocoloniale et à assujettir d'autres peuples, d'autres pays et d'autres nations. Le Mali est attentif aux évolutions institutionnelles et déplore que l'appréciation des changements de régime intervenus récemment dans certains pays africains soit fonction de la proximité des nouveaux dirigeants avec certaines puissances, ou tout simplement des intérêts géopolitiques en ignorant totalement les aspirations des populations des pays concernés. À cet égard, nous dénonçons et rejetons la politique des deux poids, deux mesures appliquée par certaines puissances, par certaines organisations régionales et même par certaines organisations internationales, y compris les Nations Unies. Cette incohérence et cette instrumentalisation ne font que décrédibiliser nos organisations aux yeux des populations et de l'opinion publique, érodant ainsi leur confiance en ces institutions qui sont désormais perçues comme détournées de leur vocation première. Certaines organisations sont utilisées en dehors de tout cadre légal ou communautaire comme des armes contre les pays et les populations qui y ont souscrit librement au prix parfois d'un transfert de souveraineté. Ces organisations se transforment ainsi en instruments de perpétuation et d'imposition d'un ordre colonial et hégémonique. De manière spécifique, nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation au Niger depuis le 26 juillet 2023. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur solidarité et leur soutien total au gouvernement et au peuple du Niger, pays frère, voisin et ami. Nous dénonçons sur le principe l'imposition de sanctions et de mesures coercitives contre un État, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous dénonçons d'autant plus les sanctions lorsqu'elles sont injustes, illégales et inhumaines, comme celles que la CEDEAO et l'UEMOA ont imposées au Niger et avant le Niger, les ont imposées également à mon pays, le Mali, qui s'en est relevé. Les conséquences inhumaines de ces sanctions sont si dramatiques, je parle des sanctions au Niger, que le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence a dû écrire au président de la commission de la CEDEAO une lettre l'interpellant sur la nécessité d'un allègement de ces mesures. Je dois rappeler que même dans la guerre qui a opposé l'Irak aux États-Unis, un couloir humanitaire a été ouvert pour permettre d'approvisionner le peuple irakien. Comment se fait-il que nous qui sommes dans ces organisations fondées sur la solidarité et sur la fraternité, nous puissions punir nos propres voisins, nos propres frères, en les empêchant d'avoir la nourriture, en les empêchant d'avoir des médicaments? Par ailleurs, le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO, aux conséquences désastreuses pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble de la région. Toute intervention militaire au Niger
j'allais dire toute agression, toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région, et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. Il est primordial d'éviter de reproduire les graves erreurs d'un passé relativement récent. Il vous souviendra qu'en 2011, en dépit de l'opposition ferme et des mises en garde des dirigeants africains, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé malheureusement d'autoriser une intervention militaire de l'OTAN en Libye, dont les conséquences ont déstabilisé durablement ce pays frère et l'ensemble de la région. Cette guerre de l'OTAN en Libye est à l'origine de l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la région du Sahel, avec son lot de victimes innocentes et de destruction. C'est pourquoi nous ne nous lasserons jamais de rappeler cette responsabilité internationale dans la tragédie humaine que vivent la Libye et les pays du Sahel depuis cette intervention. Aussi, au nom de toutes les victimes de 2011 à aujourd'hui, des dizaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées et réfugiées, nous réclamons justice, nous demandons réparation. Mais surtout, nous demandons que la communauté internationale assume ses responsabilités et tire toutes les conséquences de cette intervention militaire hasardeuse des grandes puissances dans un pays tiers. Il est crucial d'éviter de reproduire au Niger les erreurs commises à Libye et qui sont justement à l'origine de la dégradation de la situation dans toute la région du Sahel, y compris au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ceci est essentiel pour rétablir la confiance entre les nations, comme c'est le thème de notre session. Monsieur le Président, les multiples défis à la paix et à la sécurité internationale appellent à la réforme de l'architecture dédiée des Nations Unies. Le Mali réitère son soutien à la demande légitime du continent africain en faveur de la réforme du Conseil de sécurité afin de le rendre plus représentatif des réalités de notre temps. Dans la même veine, le Mali continuera de plaider pour la réforme de la gouvernance économique, financière et politique mondiale afin de créer les conditions optimales et justes de la participation de nos pays aux institutions multilatérales. Dans cette dynamique, le Mali réaffirme le rôle central que l'Afrique doit jouer au sein des institutions et des organisations internationales. À cet égard, le Mali salue l'ouverture de l'Alliance des BRICS à de nouveaux États, y compris les États africains. L'Alliance des BRICS et ses mécanismes, y compris la banque, offrent une alternative flexible et adaptée aux besoins de développement des pays du Sud global. Dans le même ordre d'idées, l'élargissement récent du G20 à l'Union africaine est un signal encourageant mais pas suffisant. Il est important que la participation de l'Afrique à d'autres forums internationaux s'intensifie au nom de la justice et de l'équité. Le changement climatique constitue une menace réelle pour les générations présentes et futures. Nous devons avoir le courage de sortir du dogmatisme ambiant et des jeux d'intérêt étroits concernant cette problématique. À cet égard, le temps est venu de mettre effectivement en œuvre les décisions de nos sommets et de nos COP. Il est plus que nécessaire que les pays à l'origine du changement climatique assument leurs responsabilités pleines et entières, y compris celle de soutenir les efforts des pays du Sud pour un développement respectueux de l'environnement. Monsieur le Président, je voudrais rappeler que l'Organisation des Nations Unies a été créée en 1945, comme vous le savez, essentiellement pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Ce noble objectif prescrit par la Charte des Nations Unies est loin d'être réalisé. Mieux, les tensions géopolitiques actuelles et les conflits multiples dans le monde constituent des motifs réels d'inquiétude pour le multilatéralisme, la coexistence pacifique et le développement harmonieux. Faisons une pause dans la rhétorique de l'intimidation, de la menace et de la guerre. Comme le thème de cette 78e session nous y invite,
travaillons ensemble à rétablir la confiance et à raviver la solidarité mondiale. Osons des réformes qui permettent de construire un monde où chacun compte, un monde où personne n'est laissé de côté. Ensemble, travaillons à mettre en place des mécanismes internationaux efficaces, équitables et inclusifs, permettant de régler les crises et non de les encourager ou même dans certains cas de les entretenir. Victimes directes de l'ingérence persistante de certains pays dans leurs affaires intérieures, les populations du Mali et de plusieurs États du Sahel continuent, hélas, de vivre les conséquences tragiques des crises multidimensionnelles imposées et entretenues par ceux qui, paradoxalement, viennent donner des leçons de démocratie ou de respect des droits humains. Dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État pour l'émergence d'un Mali nouveau, libéré de toute domination extérieure néocoloniale, le gouvernement de la République du Mali est honoré de compter sur des partenaires sincères, sur des pays qui valorisent les relations d'égal à égal dans le respect mutuel. À cet égard, je tiens à adresser une mention spéciale à la Fédération de Russie pour sa solidarité agissante et un engagement fiable tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Le Mali demeure engagé pour le renforcement des mécanismes régionaux et sous-régionaux africains qui défendraient véritablement et prioritairement les intérêts des populations africaines. Fidèle à sa vocation panafricaniste, réaffirmée dans toutes ses constitutions successives, le Mali réitère son adhésion à tous les mécanismes de sécurité collective pertinents, notamment ceux dans lesquels le leadership africain est affirmé, mais aussi dans lesquels l'instrumentalisation est rejetée et combattue. C'est tout le sens de la création, le 16 septembre 2023, de l'Alliance des États du Sahel par le Burkina Faso, le Mali et le Niger par la signature de la charte du Liptako-Gourma. Cette organisation vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans le but de lutter contre toute forme d'agression, toute forme de terrorisme et de criminalité transnationale organisée dans l'espace de l'Alliance. Cette nouvelle organisation ambitionne également de fédérer les efforts des trois pays dans les domaines socio-économiques et monétaires, mais aussi de renforcer sur de nouvelles bases l'intégration régionale, cette fois-ci une intégration des peuples fondée sur la solidarité, le respect de la dignité, de l'identité de nos peuples et de nos pays, l'affirmation de notre souveraineté sur nos terres et sur nos ressources, mais aussi notre souveraineté sur nos organisations, le financement de nos activités par nos ressources propres, ainsi que le rejet des ingérences extérieures, des politiques hégémoniques, de domination néocoloniale ou d'assujettissement. Outre les mécanismes à vocation sécuritaire, le Mali souscrit pleinement aux initiatives africaines qui œuvrent à la promotion et au renforcement des liens de fraternité et de solidarité, à l'instar de l'Alliance politique africaine initiée par la République sœur du Togo et qui aspire à une Afrique indépendante, politiquement forte, décomplexée, non alignée et capable de participer d'égal à égal en tant qu'actrice à la gouvernance mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais faire observer que les multiples défis à la paix, à la sécurité et au développement imposent un cadre multilatéral refondé, adapté et inclusif. Nous ne devons plus continuer à faire la même chose avec les mêmes mécanismes, les mêmes institutions inadaptées et espérer des résultats différents. Pour sa part, le Mali reste attaché à un multilatéralisme où chaque nation compte. Un multilatéralisme solidaire porteuse de solutions ambitieuses aux défis complexes de notre temps, particulièrement au Sahel. Un multilatéralisme ouvert, prenant en charge les aspirations profondes de nos populations au changement, à la dignité, au respect, à l'égalité souveraine des États, à l'équité, à la justice, au développement, à la sécurité et enfin à la paix. Je vous remercie de votre aimable attention. I thank
the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Mali. On doit globalement imbéter que Mali ma Nations Unies allait connaître. Ça veut dire que vraiment Mali bougeait un peu ni ton conobi. Et puis valeur ben la macana bibi na peu possible ben Mali car discours cono. Là là on a lundi ni à la poirana ni discours d'avaler amène à comment segi diamana deuma ni à la on a ma anga tourungana. Ni à la jenai. Bakurubala a d'abord cassé Macha Mamma Sisson. Donc il va y avoir Annie Francis Tchadje, Malini Burkina, Niger, Farla Nyonga, Sababoumina. Terrorisme, il y a un Niara, Migne, Trobou, Fetchoumina, Anna Djamana ou la Bouchlika, a d'abord cassé Nicrophone Numbem, ni Allah Sonama, ni Allah Lendi, il y a un traduction. Docteur Omar Mariko, il voit un cas comme ça. Faso Burujalika, la Gushika, Nyasi, Aira Faso, Ango Faso, Mi, Kokanobal. Il y a Baru là-bas, tu vois. Ah, Baru content, I'll be my double bank. I'm a double bank, je vais. Surtout, à l'écart, il y a des journalistes qui ont des questions à poser avec nous. Ani, Abi, il réplique Rodola. Pour que les capmodos taka ou faux, pour que la femme, corps, tout là, il va faire un toit qu'à Foco, et je vais laisser le café, mais ma carte, pour les Français Canada, pour chez moi, ma coffre. Non, tu sais la France, il est là, pour chez moi, parce que à l'aller, boutique au moins, il faut. Voilà. Et bien, je vais laisser la brandir à l'aller. Pour que Français n'y aura même au coup, ma coffre. Français quand on l'a bouché. Parce qu'il y a beaucoup à préciser. Quand il faut français, il faut enquêter derrière les mecs au Bessina. Absolument. Parce que Marco va aïra la Kafoko. Du coup, on fait avec un gars malika. Ou bien, qu'il y a l'abla les mailles. Qu'il y a l'abla les mailles. Agathe Menaye. Donc, tu dis, ou moi, on te fouille là. Donc, ça veut dire que c'est malheureux. Tout le monde, il y a un mot qui est banné. Il regarde ses gars comme quoi. Il y a des gens qui sont là. Ça fait honte. Oh, la paix, c'est le fait. Donc, Mali, où est-ce que tu as besoin de Moshi. Nous, où est-ce que Mali, c'est bien, que tu as sur la soufa. Tu as un faux caillard dans là. Moshi. Au bourré, où tu as bien Mali, là, où tu as bien là sur la soufa, bourré. Kata be surasu ka lere okuma mbogo ubu muera de noka ko ka adura ta bi uwe na malika mani muera kumte sababu jume ne bala de koko sese de fe sese de fe denge ma mamenga eta ma fu yako kana muchi ka bombo dau kamana bato na to musoni demsion ka bubu ma uka kusoro yaba yaba ka mbogo bala bi ko olu notori Kolumoke. Oh, sema mo. Nazora ugu fe afoko sema do. Amu ngo me nunu niyala polte niya kalama chukum na kandi niya kalama chie. Danfara jume me yad ni sema chie. Ben di makulu. Sema jume MAA MNLA Hashoya. Hashoya yemu ye yad gani sardin tori yele wana kakoi. Olu niyala polte dadon chukumi ko bebiti. Oh, on a eu bombe filiton d'octu, canabé dont on s'occupe à Kamau Faye, Fanatem Saint-Fitino. Au Bala Bicolo, il y a Fadili, Kouluman d'abord Mali sur la Soukama, Kouluman d'abord, population Kama, où est d'abord sur la Soule Kama. Comme il y a Fadili. Slamé, qu'est-ce la mer et Kamal Dioka, bombe filiton d'autre Soka? Qu'est-ce qu'on a oublié sur la Soule? Eh, mani kuma yele makuma tande. Oh, iyo anyu kakuma juu ya sisi ndili. Ubala kose kumuliwe kwa roketi bo. Kwa maulu jamaa yake. Inafu yake tomok tu chuo. Eh, ali bato ing atakera wuyari kama wakumi ukamwe. Ulu kungoku do. Anya kuma kala ine pana kona. Wala. E metna sisi zako aute. Certainement ne akemi.
ne fait sous à la bouche de l'ingénieur Fangam pour que Fanga ka dessé ira ka jamana de on lakana. Mais on a eu bateau en bouche à quoi la bouche s'agira terre sous le roule maï. Oui, maman nous fa. Somo boula, c'est pas de boula, chienjo boula. Il y a de longues doctrines où mauvaise population qu'a demain. C'est vrai. Décision d'obéir, il y a pas que d'obéir. Al noba qui a été fait au loup qu'il y a là. Conséquence par la politiquement, c'est vrai. Mais État islamique mauvais là. C'est ça la différence. Donc à quel colo est qu'un lien chaud. C'est vrai. Si vous avez mahaké mi fa au loup somo ni fait ou nana est à fort et révolté qu'elle est mec à lien chaud. Où est le kogoyara boy. Boy. Quand ça va vous qu'elle est tiens ni mais quoi les voilà. Phobie. On y est quand on voit quelqu'un de l'homme et qu'on voit la mienne, voilà la hine, voilà, il va battre là. Quelqu'un de l'homme ONG, droit de l'homme, je vous le tais, Mimbora Kani condamné, Matek a fait quoi enquête internationale. Mais nous sur la souffle, la halico, on voit quel est ça au boulot. Il bit d'assaut, ben Jolé et Yamanana. Rapport du haut, enquête à quai, sanction du haut, quand il y a ces façons. Mais regarde ça. Nous sommes dans un bateau qu'on a bon ta gagné chouma, qu'a tché koufa. Olu fana mon koula. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Ma foi koula, on a ma rosmale. Bon ou nina. Tout ça va quoi? Ou flemme attaqué ni fin fernani. A belle la gnée en idée. Vous savez. Ah, et Olu befri là. On a famo à les commentateurs. Inch'Allah. En ce qui concerne, angato anga jamana armée ko. Abiseka gelea. Mais ni Allah sana masiga temina. Ambedo kidal konala. Kata anongoma kateni suko sama. Abike benyena. Kana siga. Aywa. Abike benyena. Odo. Ajili bazumana abenguna. Président Morbo. Abenguna. Au don, mais Allah son amener avec émission édition spéciale qui est Irodman. Kidal. Édition spéciale Kidal ou Artem, Antenne sans faire. Allah a dit Irana. Comment tu regardes? Allah a dit Irana. Non, Kidal. Ambed don, Kidal, Fasi, Kata, Annongoma et Dei, Herbishi, avec les. Kate ni soko ka sama kidal ka ase korota ka ortem dele ka mikrota a koni se uka uka chani mikro la kidal ka bla direct la o wa sra yela ni bushar bura o wa sra o wa sra so la ilaha illa allah hey kama shiga wa sra ko shiro fo ba la aywa hey e ya me vitara ye bul yo rasulo. Mauritanie, complicité Michel Lire attaque là. A donné budget, mi fora Mauritanie, à des dispositions missionnaires pour lui offrir. Ah, tiens, fin à fouiller, ou à fin à compris. Et qui capé ou femme n'a pas d'eau, amena, finalement, colon, colon, tout. Avec colon, la toa, tout. Francie, Francie, qu'elle a tchomina, plutôt mon avis, ministre, mon corps, tchomina, canne apprécié. Ou bien quand ils minent qu'avec la dimine d'Oana car en dessous caché, on a voulu faire comme à Diawana Kanyami. Donc on y est allé au loco, on est sérieux sur là. Faut pas que ma chica ait un cap zéna. En gundam ben yoromiga, on a sabati ni seraka. Abisega geléa, mais ni ne semble fauché yoromi. On va se rendre en langue au maquillage. La coque. On blague t'es là. Ah, programme on est bon et loin. Les ennemis gao quand attaquer à Chomi, à main, Anganda do Obella. Consolé. Mais j'enfant do do monu fera capo. Ni fratila ni folle do la. Abi wolo tajuru sara do la. Mato l'abandon. Consolé. Mais mon gars bleu kona. Force te Mali territoire kabi. Mais misega jo Mali arménie. Atei. Restons confiants. C'est tout le monde qui a été malin. Nous avons été malin avec quelqu'un qui a été malin. Le chef d'état-major a répété Mali officiel, sous-officiel, homme de rang, bébé à disposition des camps. Il faut que nous soyons malin, nous devons faire chier, nous devons faire malin.
au don de Sami et Diallo Bekoulé. Ah, maintenant, on a bon à Israël. Et qui n'y a pas il y a même été Algérie à la frontière d'Atou parce que nous avons hypocrite de là. Bien que mec il manque, à bout il y en a encore nous menacer la colloque. Donc ni à y insister ou tendre à bolla ni qu'elle a condamné Kidalga, Kidal Vilka, il vous bête ma toi ici. Aïe là y est, baisser le feu, médiation internationale, cesser le feu, violer la haine, c'est il faut que madame. Communiquer sur le bâtiment, c'est plus souvent. Maora, vous devez commander une jambe, vous devez commander une jambe, vous devez commander une jambe. Mais on met un bâtiment, vous devez commander une jambe. 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 Vous devez commander une défilé que l'on a une photo mita. Ah, c'est une photo. C'est qui dans le cas nous gamin go photo ça. Ah. Car azawa drapeau que gamon kamanguna. Ah. Car gel dessin de la gordane kamanguna. Ah. Ah. Gordane n'est mon nom là. Ah. Ah. Donc au sol on met des nuages cassés de belles quoi. Ah. Ah. Go bashite. Ah. Go bashite. Mais Allah sonna avant la fin de l'année. Ah, ouais, j'ai né, ma c'est mon étudiant. Et elle m'a menacé de dos. Menacé de dos. En me dos qui d'elle, il y a des sangs de fauchis. Quand tu as un nom comme un taille. Ouartem qui d'elle, édition spéciale à dos, Abdoul Nyan. Au bout ma belle, va la quoi, elle est tournée, non, frère. Mouna. Non. Allez, Katoya. Ah, jata lelo.